Et on reprend avec visiblement un ennemi dans les environs, mais je l'avais pas vu. Ah bah oui, effectivement, il est là. Viens là, mon petit, on va s'occuper de toi. Eh non, hein, pas de lancer de pierre. Voilà. Maintenant, c'est réglé, la musique va disparaître. Hop. Décidément, il y avait du monde. Et il y avait des petites flèches que j'avais oubliées. Bah, c'est parfait. J'ai envie de dire que c'est parfait. Maintenant, on va remettre notre petite armure qu'on avait dit qu'on mettait. C'est vrai qu'elle est plus faible, il faudrait que je la booste. Il faudrait que je l'améliore parce que du coup, effectivement, c'est pas une armure très puissante. Non, mais. Mon petit, avance! Avance. Alors voilà, si je lui fais confiance, Epona va juste suivre la route. Chose que j'oublie à chaque fois. Et maintenant, si je sors de là, je devrais me rapprocher de mon objectif, je pense. Pour rappel, on est en train de chercher les libellules Volt. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez. Pour une fois, moi je m'en souviens. Je sais ce que je fais ici. Alors. Toi, si tu restes au milieu de la route, il va t'arriver des problèmes. Bah, je l'avais dit, hein, mais bon, personne ne m'écoute. Et tu veux rester là, c'est ton problème. Allez, hop, on y va. Remets-toi en route et non, ne fonce pas dans les arbres, s'il te plaît. Non, mais voilà, si tu pouvais suivre la route, je te faisais confiance, là, je dirigeais plus rien, moi. Finalement, hein. Faut pas forcément toujours leur faire confiance. Qu'est-ce qui se passe ici? Encore les combats! Bon, j'ai raté mon coup. Je voulais sortir mon arc. Allez, tiens, prends ça. C'est pas passé comme prévu. J'ai pas eu le temps de protéger mon bouclier au bon moment. Phew, tu m'as sauvé la mise. Franchement, merci. Tiens, c'est pour toi. Extrait de monstre. Ah, mais c'est toujours elle. On dirait que tu m'as encore sorti d'un mauvais pas. Je suis toujours à la recherche de Kilton, le gérant de l'antre des monstres, mais sans plus de succès que la dernière fois. On dit qu'à la nuit tombée, il apparaît un peu n'importe où dans le monde. Je finirai bien par le trouver. Toi, j'ai l'impression que toi aussi, tu apparais un peu n'importe où dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? C'est de moi dont elle a peur? C'est effectivement de moi dont elle a peur. J'ai l'impression. Alors, ouais, effectivement, j'ai l'air d'un monstre. C'est la grande classe. Alors, là où je voulais aller, c'est quelque part plus à droite. Donc, on va longer cette étendue d'eau si on y arrive. Normalement, on peut, je crois. Ah bah. Epona dit que oui. Moi, je crois Epona. Alors, on a intérêt à jeter un œil quand même dans les marais, je pense. Il y aura peut-être des libellules, les libellules qui nous intéressent. On va vérifier. Ouais, on s'est raté, on est d'accord. On m'a vu venir et s'est dit non. Ah, les grenouilles peut-être? Une grenouille. Eh oui, maintenant c'est Breath of the Wild, simulateur de promenade. Après simulateur d'escalade, on passe à la promenade. Bon, il est cool cet étang, mais il n'y a rien de particulier dedans. C'est étonnant. J'étais persuadé qu'il y aurait quelque chose de particulier. Ah, attendez, je vois des libellules. Mais quel type de libellule? J'ai l'impression que ce sont des libellules normales, par contre. Hein. Ça me dérange un petit peu. Libellule glagla encore, mais c'est pas possible. Y a pas des libellules glagla qu'on veut, nous. Ça nous intéresse pas, les libellules glagla. Vous avez pas autre chose? Genre, allez, à tout hasard, des libellules volt, non? Je me demande où on trouve ça. Ça se trouve, j'ai fait le mauvais choix en venant ici. Hein. Ça se trouve, c'est pas du tout là. En espérant que je puisse passer. Oui. Par contre, là, il y a quelque chose. Là, il y a un korogu. Tant qu'à faire sur la route, on va trouver des petits korogu au fur et à mesure. Hein, ça va être sympa. Bon, alors, ça va me diriger par là. Et il va falloir que je grimpe. Il va falloir que je grimpe sur ce truc. Ok. Bon, on va voir ça. Je pense qu'on a le temps. Et on a assez d'endurance pour y arriver. Voilà. Pas de problème, avec toute cette endurance, c'est maintenant très facile. Landing Fight, il m'a trouvé. À la revoyure. Pas de problème, à la revoyure, un de ces quatre, j'irai chercher tes potes. Eh bien, on progresse doucement, mais sûrement. Là, je viens de voir un papillon, il était jaune. Est-ce que ce serait pas quelque chose Volt, si c'est jaune? Il y a des chances, non? Et donc du coup, si on se rapproche de cette zone, est-ce qu'on n'aurait pas des chances de trouver ce qui m'intéresse?
Plateau du tonnerre. Oui, je me suis embourbé là, je crois. Un petit dépannage, j'ai effectivement essayé de te faire traverser l'eau. Malheureusement, dans ce jeu, tu ne sais pas nager. Et oui, les chevaux savent nager. Personnellement, j'ai déjà fait du cheval en bord de mer, et même plus qu'en bord de mer, du cheval dans l'eau. Et je peux vous dire que avoir un cheval qui nage à côté de vous, c'est assez exceptionnel quand même. Bon, on va pas s'embêter. L'arbre, tu vas disparaître. Voilà. Tu prends du bois ou pas, ça, je sais pas si c'est vraiment utile. Maintenant qu'on a fini la quête de gros saliers. Bon. On est dans la zone qui nous intéresse, mais je ne vois pas de libellule pour l'instant. Pas de libellule du tout. Un feu de camp ici. Très bien. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants à ce feu de camp? Donc juste un petit campement. Une pierre. Pas de korogu. Quand même, quand on prend le temps de regarder les jeux, il est vraiment beau. Hein. Il est vraiment, vraiment très, très beau, je trouve. Je comprends ceux qui veulent des graphismes plus réalistes ou qui pensent que les textures pourraient être améliorées. Bien sûr, je le vois, hein, moi aussi, il y a des textures qui pourraient être mieux. Mais c'est vraiment très beau. J'ai vu une libellule. Ça avait pas l'air d'être une libellule Volt, cela dit. Petite libellule. Oh, toi, je t'ai vu. Tiens, prends ça. Quel bon timing. Est-ce que j'ai déjà pris en photo une libellule Volt? Je ne pense pas, hein, franchement. Ce serait dans quoi? Dans animaux? Est-ce qu'ils ont mis les insectes dans les animaux? Potentiellement. Oui, visiblement. Mais c'est celle... Je vais pas les avoir. Je les ai pas. Très bien. Et que les libellules glag là, c'est vous dire. Bien. Eh bien, je crois que c'est un échec. Pas de libellule vol pour nous. Pour le moment, alors on va regarder un peu notre map et voir ce qu'on peut faire d'autre en attendant de trouver les libellules Volt. Hein. Parce que du coup, on va pas se limiter. Maintenant que le jeu est vraiment plus du tout linéaire, j'ai envie de dire, il l'était déjà pas avant. Hein. C'est juste nous qui le faisions de manière... Enfin, on le faisait pas de manière linéaire. Ce que je veux dire, c'est que du coup, on suivait quand même l'histoire plus ou moins. Bah, maintenant, on n'a plus d'histoire à suivre. Donc, on peut vraiment explorer, voir ce qu'il y a autour de nous, profiter. Profiter des paysages, profiter d'Hyrule. Et c'est ce qu'on adore faire. Moi, personnellement, j'aime bien jouer au jeu d'une façon un peu plus cool, me balader et tout. Ça, j'adore. Donc, du coup, là, je peux vous dire que j'en profite. Est-ce qu'elles vont venir m'attaquer? Elles savent pas que je suis là, je pense. Non, c'est bon. Ah, maintenant, elles savent. Allez, non! Dégagez! Ah bah elles partent vite en fait. Bon, elles ont réussi à me toucher, donc elles partent pas si vite que ça, mais dans l'idée elles sont quand même assez faiblardes. Qu'est-ce que j'ai fait de mon cheval? Je l'ai encore largué comme un sauvage. Alors, qu'est-ce qu'on a intérêt à faire? Donc on va checker le journal, tout simplement. Le journal, donc abattre Ganon, oui, on sait. Entomologie. Le jeune enthousiaste, il veut une Batmobline. Il veut une Batmobline, très bien, on en prendra une quand on en aura. Coco Noah était résolument décidé de faire des pommes au four, mais elle a oublié d'acheter un des ingrédients, une motte de beurre. La pauvre malheureuse a l'air déboussolée. Si seulement vous aviez une motte de beurre. D'accord, camarade pour Pricota, su au cri au roc. Shippa, le garde du village Piaf, dit avoir vu un cri au roc dans la vallée de Bizarre. Si vous l'apercevez, réglez-lui son compte. Très bien. Le secret de la montagne, c'est quoi ça? Ouais, je me souviens de ça. La viscère de Moldarkor. Ça, effectivement, ça aurait été sympa. Un cheval à tout prix, la baguette surgelée. Une baguette qui fait de la glace. Il paraît que les sorciers de glace possèdent ce genre de baguette. J'en ai pas. Les chasseurs de trésors, Dolmida et Prisen vous ont relevé un passage à la source céleste des flots qui coulent sous un pont jeune se déverse une cascade couleur d'argent. Relais des Géminés.
L'offrande à la grande fée. Retournez voir Tolu au relier du pont de Tabanta. Ah! L'employé du relais s'intéresse beaucoup au régime alimentaire de la famille royale. Ah, j'ai pas trouvé de recette. J'ai pas trouvé les recettes. D'accord. Donc, on est où là? Le plus proche, c'est clairement le pont de Tabanta. Donc, déjà dans un premier temps, on va retourner au pont de Tabanta pour ramener. Est-ce qu'on est dans le bon sens? Oui. Pour ramener. Enfin, pour dire justement qu'on avait vu la grande fée et qu'on lui avait donné l'offrande du gars. Ça peut être intéressant. Ensuite, on ira chercher peut-être la vallée du Blizzard ou quelque chose comme ça, j'imagine. Je vais pouvoir descendre par là, moi. Et je suis pas. Ah, je suis très loin de la route. Je vais pouvoir descendre par là. Je te fais confiance, Epona. Bon, là, je vais pas pouvoir, par contre. Je vais pas pouvoir. Mais peut-être qu'en passant par ici, ça va passer. Nickel. Effectivement, cette petite astuce du cheval, là, ça me change la vie. Allez, avance. On va rejoindre la route. On doit retrouver le pont de Tarbanta. Qui se trouve pas très loin normalement, voilà. Par contre, il y a une faille là. Je peux pas la traverser. Oh là 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 là. Effectivement, c'est intéressant ce qui se trouve ici. On va aller l'attaquer, hein, tout simplement. À moins qu'on lui atterrisse dessus. Non, 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 on va aller l'attaquer bêtement. Tranquille, ça va faire mal. Il a pris cher. Il a pas aimé l'électricité, ça c'est sûr. Ah bah non, je peux pas. Ah, on lui a enlevé la moitié de sa vie quand même. Hein. Intéressant. Je suis là. Ouais, bah tu m'as loupé. Hein. Oups. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Ça. Attrape-moi si tu l'oses. Pas si tu l'oses, tu vas oser, mais c'est surtout si tu peux, en fait. Je suis là, hein. Je sais pas si tu m'as vu. Tiens, mange. Oups. Je suis pas là. Ah, j'ai été touché. J'ai été touché par la vague de. La vague de fesses, on va dire, hein, je sais pas trop. Et effectivement, ça fait pas mal de dégâts. Bon, clairement, il va falloir qu'on cuisine un peu. Parce que là, on n'a plus rien. Allez, je vais reprendre toute ma vie quand même, hein, tant pis. Je suis là, mon gars! Il a pas sauté cette fois. Et la caméra qui veut pas se. Se remettre là où j'ai envie qu'elle aille. Tiens, mange. Dans le pied. Ça pique, hein. Hallebarde royale. On est plein. On l'avait déjà en photo, je crois. Très clairement, on l'avait déjà en photo. Perche max grillée. La cuisson directe à la flamme a rendu la peau de cette perche max croustillante, faisant de ce poisson gras un mets divin. Très bien. J'ai très mal lu. Mais bon, c'est pas grave. Donc ici, et ici, bah, ici c'est cool, et de temps en temps, il y a un inox, très bien. C'est une bonne nouvelle, bon. Mais on était sur la route du relais, et il fallait que je contourne cette craquelure dans le sol pour rejoindre la route, je pense, ouais, voilà. Il faut que je contourne. Bon, normalement, en passant par ici... Est-ce qu'on va pouvoir... Ouais, je pense qu'on devrait pouvoir remonter par là, là. Allez, là, tu peux le sauter, non? Tu peux le sauter, je t'ai dit. Aïe, aïe, aïe. Mais laissez-moi tranquille. Je suis occupé, là. Non, tu peux pas? D'accord. Ah, 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 ah. Très bonne nouvelle, la lune de sang. Ce qui veut dire que l'inox qu'on vient de combattre va réapparaître. Et on va pouvoir le recombattre une deuxième fois. Juste pour le lols. Qui me parle? Non, toi tu me parles pas. Toi bah, tu m'as tiré dessus. J'ai pas envie que tu me tires dessus une deuxième fois. Bon bah tant pis, je me suis pris des rochers carrément. La loose. Bah d'accord. C'est pas du tout ce qui était prévu.
Vous vous en doutez bien. Toi, tu prends. Je me laisse toujours entraîner par le deuxième coup. Bah, tu vas où? Tu vas où, mon petit? Voilà, tire à nulle part. Ah bah non, il a eu le temps de remettre sa tête. Elles sont où? Je les ai loupées. Oh, une fée. Depuis quand? Pourquoi? J'en ai eu... Pourquoi il y a des fées ici? Non mais je veux pas viser ce mec en fait. Oh là là, c'était quoi ce changement de couleur? Bah il y avait une fée qui traînait, tranquille. On sait pas trop pourquoi. Non, pas lui! L'autre. Voilà. Et bah on va utiliser celle-là. C'est moi où tu m'as mis un vent? Il y a des changements de couleur assez étranges là. Non. Mais il veut bien mourir avant la lune de sang, lui. Eh non, il ne mourra pas avant la lune de sang. Il m'énerve. Hein. La lune de sang. Elle brille à nouveau cette nuit. Link, prends garde. Si vous connaissez pas par cœur la lune de sang depuis le temps, voilà. Maintenant, problème réglé. Vous voulez bien disparaître et me donner mes ressources. Voilà. Et le une. Et voilà, ici. Très bien. Et normalement, nous avons notre très cher ami Linox qui est revenu. Alors, où qu'il est-il? Il était juste là, on est d'accord? Voilà, le voilà. Ce coup-ci, on va changer un peu de stratégie, on va s'amuser avec lui. Oui, pas de problème. Link, champion d'escalade, depuis très longtemps. Depuis 1980, bah non, en fait, depuis 2017. Parce qu'avant, Link, il était pas trop champion d'escalade. Bon, je suis trop court, je vais clairement pas pouvoir lui atterrir dessus. Mais on va encore pouvoir s'amuser. Tiens, ramasse ça et puis là. Allez, mange. Et on lâche tout. Nickel. Ah bah voilà, il est mort. D'accord. Bah c'est allé super vite. Hein. Pour le coup, je m'y attendais pas. Voilà, on a trouvé une super technique pour tuer des inox très rapidement. Turbomax grillé, une partie de la chair de ce Turbomax cuit directement à la flamme, possède une certaine amertume dont les amateurs ne peuvent se passer. Très bien. C'est l'amertume du barbecue, j'imagine. Épée royale, hallebarde royale, tout ça. Oh là là. Un fragment d'étoile qui est tombé là-bas. On le veut. Alors, Epona. Epona, j'ai besoin de toi. Là, on a vu quelque chose qui m'intéresse énormément. Ça a l'air très précieux à chaque fois. C'est plutôt rare à trouver, mine de rien. Donc je pense que c'est très précieux. Epona, j'arrive. Emmène-moi en direction du fragment. Où qu'il soit. Oulalala. On n'est pas encore sorti de l'auberge, j'ai l'impression. Hein. Alors, on va remonter par là. Par ici. J'ai dit par là. Qu'est-ce que tu comprends pas, Epona? Allez, avance. Ils ont fait exprès de pourrir le terrain comme ça pour que ce soit super casse-pied d'avancer ou quoi? Je pense, hein. Ça ne peut que être volontaire. Si t'as réussi à monter là, tu dois pouvoir en descendre, hein. Je te le dis tout de suite, moi. Allez. On descend, voilà. Je suis pas extrêmement fan de la maniabilité des chevaux, quand même, hein. Ça, c'est quelque chose que je dois dire. Ralenti, ralenti. Alors, est-ce qu'elle a disparu entre-temps? Parce que du coup, pour le moment, on voit pas de rayon, rien. Epona, tu vas pouvoir monter ça quand même. Voilà, nickel. Et le rayon. Je vois plus du tout de rayon là. Il était où? Le rayon, il
était plus loin derrière, j'ai l'impression. Attendez, là. Il y a l'air d'avoir quelque chose là-haut sur le pic. Je vais laisser Epona ici. Et je vais aller checker. Attendez, c'est quoi? C'est le mont... Ben, ça, c'est... Ouais, d'accord. Ça, c'est le mont Satori. C'est pour ça que je vois quelque chose. C'est l'arbre, tout simplement. Mais on va aller checker et voir si notre étoile filante, là, est toujours de l'autre côté de cette montagne.